la même personne. Est-ce que vous comprenez? C'est Christ lui-même qui a aveuglé. C'est ça la conscience du bien et du mal. C'est la partie aveuglée de Dieu pour qu'on ne voie pas. C'est là quand tu vas sur cette partie-là, la loi va te produire les péchés. Dieu fait ça expressement pour permettre que quand l'homme du péché sortira, qu'il y ait une autre démarche pour les faire revenir. Maintenant, pour faire quoi? Non plus pour toucher à la du côté de la connaissance du bien et du mal, mais d'aller toucher du côté de la vie. Écoutez, frère, lisons quelques écritures. Parce qu'on va toucher à Abraham. Romains chapitre 11. Je sais que probablement que c'est un grand thème, mais j'espère aussi que les autres ministres, par rapport à la façon dont ils vont nous comprendre, pourront ajouter une paire de contributions. Romains chapitre 11. Vous savez, par la loi, Dieu fait alliance avec Israël par la loi. Il donne la loi. Il a donné la même loi à Adam et Ève. Parce que Dieu n'avait pas raison de leur dire de ne pas manger. Il pouvait les laisser. Ces gens vivraient calmement. L'Écriture dit que la loi attire la curiosité. Ah frère, on peut finir le culte ici. J'oublie 10 000 euros ici. On peut sortir ici. Personne ne viendra fouiller ici. Personne. Mais si j'ai dit ça, frère, je vais laisser 10 000 euros ici, que personne ne touche. Vous comprenez? Disons, tu vas sentir dans le cœur de l'homme le souci d'aller voir. La loi a attiré son attention. La loi va t'attirer. C'est ça la partie de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais dans les mêmes arbres. Dans le même, c'est là où, en tout cas, s'il y a des points de vue contraires, les mêmes, on va pouvoir en débattre. J'ai dit dans le même arbre. C'est pourquoi j'ai commencé par dire qu'il est au milieu. Là. Noir sur blanc, l'écriture dit que l'arbre de vie et l'arbre. Tous deux sont au milieu. Nous avons dit que c'est le même arbre avec deux faces. Or, la loi va attirer la curiosité. C'est pourquoi Dieu, pour sauver Israël, il dit, moi, je vous sauverai par la loi. Pourquoi? Pour que Israël produise des péchés. Parce que Dieu savait que Israël ne peut pas supporter la loi. La loi est spirituelle, Israël est charnel. Dieu savait qu'en donnant la loi, personne ne sera capable de maintenir les choses. Pour permettre, frère, d'aller voir l'autre face de l'arbre. Parce que si quelqu'un vit par la loi, il n'a plus besoin de voir l'autre côté. Or, écoutez frère, peux-tu comprendre qu'il y a des saluts en Égypte? Peux-tu comprendre qu'en Égypte, si la lumière ne vient pas, qu'il y ait un salut? Non. Il faut obligatoirement que la lumière vienne dans les ténèbres. Pour que les ténèbres puissent avoir le salut. Or, la loi produit le péché. Donc, la loi par elle-même ne peut pas apporter le salut. Dieu a donné cela pour démontrer que tout homme est faillible. Tout homme va tomber. En donnant cette loi-là aux enfants dit au Adam, Dieu savait qu'ils vont manger. J'aime bien ces dieux-là, frère. Moi, je me disais, quand ne s'est pas causé avec Ève, pourquoi Dieu n'est pas venu? Il a attendu pourquoi? Hein? Tous, il voyait bien qu'on est en train d'étendre ma créature. Pourquoi il ne s'est pas dépassé? C'est qu'il est pire, frère. Il a attendu qu'Ève ait d'abord fini de manger. Maintenant, Ève va encore aller chercher Adam.
C'est-à-dire que quand il mangeait, Adam aussi n'était pas l'affaire. Adam, il s'occupait des agneaux, des lions ou du quoi. Quand on était en train de tenter ça. Après, Dieu attend toujours. Je crois que notre frère Billy a chanté ça dans les bougies de l'éternel, dans la banque qu'on vous a distribuée hier. Adam aussi marche. Quand ils finissent de manger, Dieu vient. Il pose la question à Adam. Adam dit non. C'est la femme. La femme que toi, tu m'avais donnée. Il y a des gens qui disent, oh non, Adam manquait d'humilité. Au lieu de reconnaître, non, non, ça c'est pas. Il avait dit la vérité. Il dit, Dieu, la femme que toi, tu m'as donnée. Parce que l'écriture dit que Dieu trouva bon. Qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. L'homme ne lui avait jamais dit. Dieu, l'homme n'a jamais dit à Dieu que oh, tu vois, je me suis. Frère, écoutez, l'homme, je parle du véritable homme, il est suffisant en toutes choses. Est-ce que vous comprenez? Du véritable homme dont je parle. Jésus n'a pas besoin de l'aide de quelqu'un. Il est suffisant en toutes choses. Il a, voilà frère, il n'a pas besoin d'une femme. Mais comprends que Dieu était en train de manifester sa volonté. Parce qu'il voulait, on va y arriver. Dieu voulait que nous soyons là en train de l'adorer. Ça, ça lui manquait. Il s'est petit là, si je les laisse comme ça, il s'est là. Je vais les amener tous à ce qu'ils ne savent. Pourquoi moi j'ai toujours dit, frère, dans l'évangile éternel, plus tu crois que tu es élevé, Dieu fera en sorte que tu te rabaisses, que on voit que tu es nu. Prends seulement les langages de quoi que moi, je te passe tout le monde, moi, frère, Dieu va te regarder, il te regarde. Ah, cet homme, il veut prendre ma gloire. Il va, frère, il va faire de son mieux. Tu feras une chute libre. Amen. Vers le bas. Maintenant, pour remonter, tu vas chercher tes morceaux de frère. Oh frère, je suis frère. Non, non, c'est parce que toi, tu as voulu prendre la place de l'homme. Amen. Oh Dieu, ça. Que Adam, si je les laisse comme ça, il croira qu'il est au-dessus de tout. Il faut qu'il m'adore. Dieu les fait coucher. On a expliqué tout ça en Jésus. Parce que c'était ça le plan. On manifeste. Et maintenant, Adam dit non. C'est cette femme que tu m'as donnée. J'aime bien ce Dieu-là. Il va vers l'homme. Il va vers la femme. Et toi? Mais toi, fais quoi? Il dit, c'est vraiment ça le serpent. Moi, j'ai pensé. Que Dieu allait demander au serpent. Toi, pourquoi t'as fait ça? L'écriture dit que Dieu s'est arrêté. Frère, il faut savoir pourquoi Dieu s'est arrêté. Pourquoi il a, j'aime bien ça. L'écriture dit qu'un jour, il y vagabondait. Je ne sais pas. Le diable. Hein? Vous, les gens, les mamans en langue qui avaient peur du diable. Tout le temps. Le diable, il vagabondait. Et Dieu le voit. Il dit, hey, tu viens d'où? Est-ce que vous comprenez? Tous les esprits sont au service de l'éternel. Il dit, tu viens d'où? Il dit, non, moi j'ai vagabondé. Hein? J'étais partout. Il dit, est-ce que tu as vu Job? Je t'informe que Job, c'est le type de Christ. Non, frère! Dieu n'a pas demandé à le diable s'il avait vu Job. Il lui avait demandé s'il avait vu Christ. Ah, ça tu n'as pas encore vu, hein? Tout le temps on vous prêche là. Frère, la douleur de Job. Job! La Bible dit qu'il était un homme intègre. Frère, à l'époque de Job, Moïse n'était pas encore là, frère. Mais la Bible dit que Job sacrifiait. Ah, il était sacrificateur. Frère, avant que la sacrificateur de Moïse n'arrive, il y avait déjà un homme de nom de Job qui sacrifiait pour le péché de ses enfants. C'était mon frère. Ce n'est pas Job qu'on vous prêche là, Job, frère, hein, aide-moi comme tu
avec Job. Ta douleur là n'a rien à voir avec Job, frère. Si à cause de ton mauvais comportement, tu te retrouves en difficulté, frère, confesse ton péché, mais assume les conséquences. J'avais dit hier, je crois, une soeur. Ouais, frère, tu m'as posé la question, non, une femme qui adultère. On peut la chasser comme la femme. Moi, j'ai dit, chasser la femme adultère, c'est un pardon. Amen. Amen. Frère, c'est ça le pardon. Quand on te chasse, vous nous écoutez, vous qui êtes mariés, vous faites l'adultère, on va te chasser. C'est un pardon. Amen. C'est ça le pardon, frère. Frère, quand tu commets un péché, Dieu va te pardonner, mais tu payeras le prix de ton péché. Tu es allé voler, on t'attrape. Tu vas demander pardon. Dieu va te pardonner, mais l'État va te mettre en prison. Dieu ne va pas empêcher que tu es en prison. Amen. Non! Frère, je vais dire ça par rapport à Christ. Écoutez cette prière. Il dit, oh Père, si ça ne dépendait que de vous, enlève-moi cette coupe. Toutefois, que ta volonté soit faite. C'est-à-dire quoi? Comme j'ai assumé le péché de l'humanité, je dois. Va voler. Quand on t'attrape, tu vas aller en prison, frère. On vient te visiter, tu es notre frère. Mais en prison. Merci. Comme ça, quand tu sortiras, tu comprendras. Dieu fait ça pour que les gens comprennent. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes en train de dire ceci. J'étais où, frère? Voilà, j'étais chez Jean. As-tu vu mon serviteur? Frère, lisez l'écriture. L'écriture dit que Job était un homme intègre, prospère. Ça démontre la position de Christ dans sa suprématie. Quand il avait tout, Philippiens chapitre 2. Lui qui était élevé en gloire, en dignité, en puissance, un homme plein de succès. Cet homme de Job. Du coup, il va tout perdre. C'est la position de celui qui perd la royauté, qui descend comme un serviteur homme. Il va perdre ses enfants. Il nous a perdus, frère. Est-ce que vous comprenez? Il nous avait perdus. Parce que Dieu avait dit, va. Mais pas à son âme. Parce qu'il ne mourra pas. Il ne mourra pas, frère. Mais tu perds tout. Il nous a arrachés. Il a récupéré les enfants. L'homme est descendu dans la poussière. La Bible dit qu'il avait les ulcères sur sa peau. L'homme des douleurs. Est-ce que vous habitué à la souffrance, ces gens? L'Écriture dit que les autres, les amis et femmes et consoeurs, ne vont pas tuer ta femme. Toi, tu es comme la femme des gens. Ben non, frère. Non, frère. La femme de Job n'a rien à voir avec ça. Les amis de Job et sa femme ont dit, jamais quelqu'un qui n'a pas péché ne peut pas arriver à ces conditions. Oh, l'Écriture dit que Job n'avait pas péché. On comprend maintenant l'Écriture qui dit, lui qui était juste et saint, Dieu a fait de lui péché. Mais à lui, il n'y avait rien. Les amis de Job sont comme les ânes, Caïphe et les autres qui voulaient vérifier s'il a un péché. On vérifie. L'Écriture dit, le diable est vagabond. Il cause avec Dieu. Mais à la fin de toute chose, la Bible dit que l'homme est restauré. C'est la résurrection. J'aime bien ce que le même Job dit. Il dit, j'essaie une chose. Que mon rédempteur se révélera les derniers. C'est la résurrection, frère. Il quitte la cendre de la terre, il s'élève. Deux fois béni. Et Ephésiens chapitre 4. Vous comme souverainement élevé. Quand il